Bonjour à toutes et à tous. Comme vous voyez, je suis sur le bateau, mais on va pas partir en bateau. Aujourd'hui, on va partir en flotte. Par contre, j'ai tous mes leurres dans le bateau. Donc, on va faire une petite sélection de leurres pour avant de partir à la pêche. Je vais partir pêcher le chevesne en flotte tube. Donc, objectif chevesne et perche. Donc, perche au leurre et chevesne au leurre ou à la mûre. Donc, je vais vous montrer le matériel que je prends pour aller pêcher ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je prends dans le coffre. Qui peut être intéressant d'avoir. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant? J'ai reçu les Fisher Box. On va voir ce qu'il y a dedans. Hein. Il y a peut-être des trucs qui peuvent être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Avec les nouvelles boîtes, nouveau packaging. Du coup, un petit crank Sakura qui pourrait être vraiment pas mal. C'est le SCB Micro. Voilà. Donc on va voir ça, ça peut être super pour la perche et le chevesne. On va prendre ça, on prend un popper, le Poppin' Dog de chez Sakura. Ça aussi on va prendre. Ah, des petites créatures. Ça pour le chevesne. Et les perches, je risque de les déboîter avec ça. Je prends. Et parfait. On a même une petite boîte pour ranger tout ça. Donc dans cette petite boîte, je vais me mettre, hop, je vais me mettre mes hameçons et mes têtes plombées pour aller pêcher le chevesne. Donc ça je prends, ça je prends, ça je prends. Et dedans, il va y avoir aussi des petits finesses. Ceux-là pour le chevesne et la perche, aujourd'hui je ne vais pas en avoir besoin. Ils vont rester ici. Les hameçons pour pêcher à la mûre. Donc là, vous les connaissez déjà, c'est les VMC. Les 75-52BN, donc c'est les hameçons triples sans ardillon pour les poissons nageurs d'habitude. Mais moi je les adore pour pêcher les chevesnes aux fruits. Comme ils ont tendance à l'avoir bien au fond le fruit, avec des petites tripes sans ardillon, ça s'enlève tout seul avec une bonne pince. Et on les abîme pas. Donc numéro 10, numéro 12, sur la taille des murs, je prends les deux. Wow. Elle est pas chaude. Ouais, il fait chaud. Elle est pas chaude, j'ai hésité. Je les ai pris dans la voiture parce que je sais que l'eau est pas chaude ici. Mais avec la chaleur qu'il fait, je me suis dit ça fera du bien. Ah bah parfait, tu m'as fait une petite boîte. Oh là là. Tu gères. Les petites mûres. Alors, les hameçons. Vu la taille des mûres, je vais mettre ceux-là. Hop là, petit hameçon. Hop. Un petit nœud de cuillère, ça va très bien. Mastoc. Waouh. Ouais. Ah ouais. C'est pas un pitchoun, hein. C'est pas des petits chevesnes. Enfoiré. Ce bœuf. La mûre, il l'a gobé. Ah bah là, il a gobé. Voilà. Il a gobé. Regardez ce pépère.
Je sais pas combien il fait, on va le mesurer, tiens. On va le mesurer. Voilà. Un gros pépère de 58 cm. Allez, repart. Allez, bon, on va remettre le mur. On va essayer d'en faire quelques zones. Encore quelques-uns. Tac. Je la pique par la web pousse, par la base. Et j'enfonce le triple légèrement dedans. Elle est un peu molle celle-là. C'est pas grave. Allez. C'est branlé qu'ils mettent. Encore un bien mastoc. Cassé. Ah, j'ai fait une valeur comme. Il est petit, en plus il y a que là, c'est vraiment le spot. Il y a du courant, hein. Il y a carrément du courant. Fichonne. C'est ce que j'essaye. Allez, les branches. Les branches. C'est sport. C'est encore un bœuf, hein. Oh là là. C'est bon ça. T'as encore un truc énorme. Et tac, le petit hameçon sans ardillon. On l'apprécie. Yes. Tu me fais une petite photo? Yes, parfait. Allez. Tu veux dire? Non, mais c'est le même calibre, ça fait au moins 56.
Ah putain, loupé. Un pitchoun. Un pitchoun de 40. Oh la douche. Gobe pas le triple, tout ce que je te demande. Voilà. Un petit cheven de 40 à peine. Oh, à peine 40, tu dois faire 38. Hop là. Bon voilà, fin de cette petite session cheven. Bon, finalement, on n'a pêché qu'à la mûre. Mais les poissons étaient difficiles en fait, ils sont descendus depuis quelques jours, donc on est vraiment à la mûre, descendre profond, et quand on est arrivé profond, on arrivait à en faire quelques ais. Bon, c'était pas la folie, on fait trois poissons chacun. Les perches, quelques perches de dehors, moi j'en décroche une, quelques touches. Après je les ai pas plus recherchées, je voulais vraiment faire du chum. Par contre les chums qu'on a fait, c'est du gros pépère. 58, le deuxième il devait faire 56, 57, donc vraiment des gros chevennes. Et petite 40, voilà. Super cool, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette vidéo estivale, on est en plein été, je fais un petit stock de vidéos et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas, le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.